Et c'est parti au GGL Stadium. Le coup d'envoi donné par Matteo Garcia. Les Bordelais en blanc, Montpellier, dans leur habit traditionnel, tous de bleu vêtus. Et premier ballon pour Cobus Reinhardt et les Montpelliérains. C'est bon. Jouez là, lâchez-le. On va ressortir avec du jeu au pied du demi-mêlé sud-africain. Le pied droit de Cobus Reinhardt. Avec dessous, Tatafu qui ne parvient pas à contrôler le ballon. C'est finalement Nance du coin qui parvient à s'en saisir, qui passe tout de suite au sol. On s'organise du côté de l'UBB avec Yann Lesgourg. Pour son talonneur, Romain Laterade. Jouez là, 9. On va pouvoir sortir proprement. Avec le demi-mêlée bordelais qui tape par-dessus directement dans les bras de Louis Carbonel. Je vous le disais en avant-match, beaucoup de pluie, beaucoup de vent sur Montpellier aujourd'hui. Des conditions climatiques compliquées. Et attention là au rebond pour Matteo Garcia, chassé par Anthony Boutier, bien plaqué par l'arrière montpelliérain. Tout de suite mis sous pression l'ouvreur bordelais. Et un point de fixation avec Hugo Boniface. Pareil, la tête. Jouez la 9. Coup de pied de Yann Lesgourg qui trouve encore Louis Carbonel bien présent pour le moment sous les ballons hauts. Cette transmission de Leninouchi qui ne trouve personne finalement. C'est Yann Serfontein, le Sud-Africain, qui repique vers le soutien. Et Cobus Reinhardt qui écarte ce ballon pour Paul Willems. Première charge de l'international français de retour en tant que titulaire après sa suspension et ce carton rouge récolté dans le tournoi des Six Nations. Alors qu'on s'échauffe un petit peu entre Cobus Reinhardt et Guido Petit, second ligne argentin de l'UBB. Première pénalité de cette rencontre, c'est Adam Coleman qui est sanctionné. Et l'occasion pour Louis Carbonel d'aller occuper le terrain de l'UBB. C'est chose faite pour Louis Carbonel avec cette touche trouvée à l'entrée des 22 mètres de l'UBB. Lancé à suivre pour Penga Moussa. Juste un peu, il est là où il va, sur lui. Et ballon capté au milieu de l'alignement par Van Rensburg. On s'organise avec Cobus Reinhardt qui retrouve son compatriote Serfontein. Le ballon qui sort rapidement avec la charge là de Luca Japaridze. Et le ballon finalement gagné par les joueurs de l'UBB qui peuvent amorcer un contre avec ce jeu au pied de Romain Burros dans le dos d'Anthony Boutier. L'arrière de Montpellier obligé de se replier, chassé par Yann Lesgourg et Romain Burros et qui tant bien que mal parvient à dégager son camp. On attend blanc. Qui retrouve okay, un jeu. Matteo Garcia pour son vis-à-vis Louis Carbonel. Le ballon qui ne sort pas du terrain. Matteo Garcia qui relance. Qui tombe sur Serfontein. Le ballon qui sort rapidement pour l'UBB. Avec Taufa. Et ce ballon ne sera pas gratté par Marco Tolègne, l'ancien joueur de l'UBB. Première pénalité sifflée contre le MHR. Et Matteo Garcia qui va aller chercher la touche dans les 22 mètres de Montpellier. Alors qu'on revoit là la charge de Taufa. Et la faute de Marco Tolègne. Là, sur vous.
Premier lancé pour Romain Laterade. Ce que je vous ai dit. Allez, reprise. Troisième titularisation pour le talonneur cette saison. Mieux d'alignement, Guido Petit en deux temps pour Boniface. C'est finalement Yann Lesgourg qui hérite du ballon. Et ce sera finalement un en avant. Sifflé par Monsieur Kerr. En dehors des 22. Voilà, au revoir Guido Petit pour Antoine Miquel. Effectivement. Hugo Boniface qui récupère ce ballon, cette passe en avant. Et première mêlée du match. Introduction Montpellier à l'entrée des 22 mètres du MHR. Une mêlée qui se tient bien pour le moment. L'effort du pack de Montpellier. Récompensé de cette pénalité. Droitier sous pression, recule, on se relève. C'est Thomas Ataofa, le jeune pilier droit de l'UBB qui est sanctionné. Et Louis Carbonel qui ramène le jeu à hauteur des 50 mètres. Les Montpellierains qui bénéficient de l'appui du vent dans cette première mi-temps. Et le lancer bien capté par Yacouba Camara. Et Nouchi qui retrouve Marco Tolègne. C'est derrière. Le Comus Reinhardt obligé d'utiliser le jeu au pied dans les bras de Maël Moustin. Le jeune ailier de l'UBB qui relance le ballon, qui retrouve du soutien. Et Yann Lesgourg pour son ouvreur, Matteo Garcia qui dévisse un peu sa chandelle. À la retombée, ce sera Marco Tolègne et Guido Petit. Marco Tolègne qui parvient à retrouver de l'avancée. Marco Tolègne qui transperce le premier rideau, qui retrouve à l'intérieur Arthur Vincent. Et finalement, ce sera un en avant de Cobus Reinhardt. Première alerte pour la défense de l'UBB avec cette percée de Marco Tolègne et le bon soutien d'Arthur Vincent. On va revoir là Marco Tolègne qui casse le premier package, qui retrouve Arthur Vincent, bien repris par Guido Petit et l'en avant de Cobus Reinhardt. Allez, on y va, Blanc. Les mêlées à suivre avec introduction Yann Lesgourg pour l'UBB qui s'en sort bien sur cette action. Un petit coup d'œil du demi-mêlée bordelais. Et ce ballon qui ressort avec Tatafu pour Matteo Garcia. Ben Taupai pour un point de fixation qui sort des 22 mètres. Le centre australien. Et finalement, on va pouvoir se dégager, essayer de trouver une touche avec Yann Lesgourg. Petite touche trouvée par le demi de mêlée bordelais à hauteur des 40 mètres. Et après 10 minutes de jeu, les deux équipes qui essaye d'occuper par du jeu au pied. La faute à cette pluie et ce vent. Pareil, 10, 10. Mais le ballon capté une nouvelle fois par Yacouba Camara. Cobus Reinhardt qui retrouve Louis Carbonel. Et Marco Tolègne, encore lui. Le ballon ramassé par Amosa.
On essaye de repartir dans l'axe là avec Camara. Le bon contest de Tatafu, l'international japonais, précieux dans ces moments-là pour l'UBB depuis son arrivée en Gironde. 8 ballons, premier sur les appuis, ballon gardé. On va revoir là, Yakuba Camara qui repart dans l'axe et Tatafu tout de suite le premier, les mains sur le ballon, récompensé de cette pénalité. Et revoilà l'UBB dans la moitié de terrain de Montpellier. Qui donne ses consignes sur le bord du terrain. Et en fond d'alignement, on retrouve Adam Coleman. Et on repart petit côté avec Matteo Garcia et Yann Lesgourg. Et le ballon récupéré finalement par le capitaine montpelliérain Lenny Nouchi. Et les Bordelais qui réussissent à remettre la main sur le ballon. Avec Matteo Garcia qui allonge la passe pour Nance Ducoing qui repique à l'intérieur. Un crochet, deux crochets de l'arrière Bordelais. Et c'est Antoine Miquel qui est sanctionné pour être rentré sur le côté. Marco Gazzotti, pardon, qui est sanctionné. Beaucoup de petites fautes hein, dans ce début de match qui empêche les deux équipes de mettre leur jeu en place. Et la touche qui ne sera pas trouvée par Louis Carbonel. Et Yann Lesgourg qui dégage son camp. Alors qu'on revoit là, le bon contest de Lenny Nouchi. Le ballon capté par Van Rensburg et le Mol qui se met en place du côté de Montpellier. Revenez, sortez maintenant. Non, sec. Revenez. Ouais, jouez pas, restez là. On ne réussit pas à progresser. Alors on va repartir avec Serfontaine. Serfontaine qui n'est pas tenu, qui peut se relever. Kobus Reinhardt qui libère rapidement ce ballon pour Paul Villemcé. De l'avancée dans le jeu de Montpellier. Louis Carbonel maintenant. Avec Dakuwaka, venu de son aile opposée. Non. Et Marco Tolaigne, présent dans ce début de rencontre. Comme la défense de l'UBB, qui ne cède pas, qui fait reculer même Montpellier. Reinhardt avec Boutier. Boutier pour Arthur Vincent. On manque de solutions. Alors on utilise le pied avec Kobus Reinhardt directement dans les bras de Nance Ducoing qui dégage son camp. Et ce sera une touche directe pour l'arrière de l'UBB. Pourtant bien présent en couverture sur ce petit coup de pied par-dessus de Kobus Reinhardt. Sous la pression. L'arrière de l'UBB qui n'a pas réussi à trouver une touche indirecte. Pas loin du 50-22 pourtant. Ce sera donc un lancer pour Brandon Penga Amosa. On cherche encore une fois et on trouve Van Rensburg, troisième ligne sud-africain. C'est Baptiste Erdosio qui progresse. Yakuba Camara qui retrouve Paul Villemcé. C'est la charge de Paul Villemcé qui fait tomber Adam Coleman. Et Montpellier qui progresse avec la redoublée. Louis Carbonel qui réussit à s'infiltrer. Toujours avantage.
Mais avantage en cours, vous avez entendu Monsieur Kerr. Et on repart petit côté avec Cobus Reinhardt, intercepté par Matteo Garcia. Et on reviendra finalement à cette faute de Guido Petit, international argentin. On voit la grosse charge de Paul Willemse. En touche, les gars. Sur Adam Coleman. Un ballon, s'il vous plaît. Et on a choisi la touche. Du côté de Montpellier. Un choix ambitieux. Et pour le moment, tous les lancers ont été propres d'Amosa. On se sent peut-être en confiance du côté du MHR. Là, s'il vous plaît. On veut concrétiser cette légère domination là depuis quelques minutes. C'est bien capté au milieu de l'alignement par Yacouba Camara. On se met en ordre de marche pour les avants de Montpellier. Avec le ballon bien au chaud dans les mains d'Amosa. Cobus Reinhardt qui est venu diriger tout ça. Et le ballon qui est finalement bien coffré par les joueurs de l'UBB. Récompensé. Antoine Miquel. Il a réussi à s'infiltrer dans ce maul. Bonne phase de défense réussie pour l'UBB. Qui tient bon. Qui fait le dos rond dans ce début de match. L'UBB qui n'est venu s'imposer que trois fois à Montpellier en 2011, 2001 et 2022. Flexion. Lié. Une rencontre toujours serrée entre ces deux équipes au GGL Stadium. Allez, on y repart de suite. La marque, s'il vous plaît. Allez. Allez, la stabilité, c'est bien. C'était bon jusqu'à présent, la distance. Allez, on continue pareil, s'il vous plaît. La marque, on y va, pied droit. Allez, messieurs. Sors. Allez. Allez. Flexion. Introduction à suivre pour Yann Lesgourg et l'UBB. La mêlée stable pour le moment. Tatafou qui parvient à se saisir du ballon proprement. Et Yann Lesgourg qui retrouve son ouvreur Matteo Garcia pour sortir de son camp. On ne trouve pas la touche, mais les bras de Ben Lam. Là aussi l'ancien joueur de l'UBB qui peut remonter le ballon. Qui croise sur sa route Guido Petit. Et Yann Lesgourg qui met la pression sur son vis-à-vis. Anthony Boutier qui récupère le ballon. Petit coup de pied à suivre de l'arrière de Montpellier. Dans le dos de la défense de Bordeaux, Matteo Garcia obligé de laisser ce ballon filer en touche. Et Montpellier qui s'installe dans le camp de l'UBB depuis quelques minutes maintenant. Qui prive Bordeaux de ballon. Jeu. Adam Coleman qui se saisit de ce ballon. Jouez la 9. Nouveau point de fixation avec Tatafou pour ouvrir l'angle de Matteo Garcia. Un ballon dispo, histoire.
un jeu neuf. C'est finalement Yann Lesgourg qui va se charger de dégager ce ballon. Et qui trouve une touche à hauteur des 40 mètres de l'UBB. On se donne un petit peu d'air du côté de Bordeaux. Mais c'est compliqué, compliqué pour sortir de son camp. La pluie qui ne s'arrête pas hein, sur Montpellier. Yacouba Camara propre pour Kobus Reinhardt. Et de l'avancée avec Marco Tolaigne encore une fois. Louis Carbonel qui trouve Arthur Vincent. Qui ne s'isole pas du soutien. On inverse le sens avec Erdosio. La retouche après. Petit en avant du pilier gauche montpelliérain. L'ancien Biarro. Allez, on y va, monsieur. Il y a des intentions du côté de Montpellier, mais voilà, on est bloqué toujours par ces petites fautes de main. Vous perdez le contrôle du ballon, il tombe entre vos jambes. Mais je vous le disais, une possession en faveur de Montpellier, surtout depuis ces 10 dernières minutes. Le bébé qui a du mal à mettre la main sur le ballon. Mais Mélé qui se tiennent bien depuis le début de la rencontre. Yann Lesgourg qui peut sortir ce ballon pour Nance du coin. Qui force Anthony Boutier à se déplacer. Et dégager son camp. Et là on dévisse un petit peu encore une fois hein, du côté de Nance du coin. Qui avait tout le temps hein, pourtant d'ajuster son coup de pied. L'arrière bordelais. Titulaire pour la 7e fois cette saison. Un nouveau ballon capté par Van Rensburg. Et le groupe est pénétrant qui progresse. Kobus Reinhardt pour Serfontaine. Qui parvient à passer au sol, à conserver ce ballon. Amosa. Et on va repartir au prix avec Yacouba Camara. Dans l'axe bloqué par Taofa. Et la chandelle montée par Louis Carbonel de l'alternance dans le jeu de Montpellier. Dessous il y aura Nance du coin. Et la faute d'Anthony Boutier qui vient attraper son vis-à-vis en l'air. Il s'excuse l'arrière de Montpellier. On va le revoir. Allez, il est en retard. Voilà, il prend Nance du coin dans les airs. C'est un peu pénalité. Et Montpellier est obligé voilà, d'utiliser le jeu au pied qui ne trouve pas de solution face au rideau défensif de Bordeaux. Bien en place pour le moment. Bordeaux qui ne cède pas. Voilà, on voit l'alternance demandée par Patrice Collazo. La bleue. Allez, Yacou, on ne donne rien. Touché avec un alignement réduit pour Bordeaux. Et Romain Laterade. Antoine okay, Miquel au premier bloc. Revenez. Il y a un arrêt blanc. Et Yann Lesgourg qui utilise le jeu au pied. Bien tapé à l'entrée des 22 mètres. Dessous, il y aura Dakouaka qui se saisit du ballon. Dakouaka qui retrouve Arthur Vincent. Et la contre-attaque de Montpellier qui se met en place avec Anthony Boutier qui poursuit au pied. Dans le dos de la défense bordelaise.
Et ce ballon qui sera aplati par Matteo Garcia. Renvoi d'en but pour les Bordelais. Et Montpellier qui recherche tout de suite les extérieurs sur ces ballons de récupération. Allez, on y va, 10 s'il vous plaît. On est face au vent pour le moment. Bordeaux s'en sort bien. Dominé, mais la défense tient bon. Et ce renvoi de Matteo Garcia pour Louis Carbonel qui retrouve Dakuwaka, le puissant Dakuwaka qui parvient à casser un placage, à progresser. Kobus Reinhardt gêné avec l'avantage en cours pour Montpellier. Cette passe au pied de Carbonel pour les Ninouchi qui ne donnera rien. On va revoir là la percée de Dakuwaka. Il faut que Hugo Boniface s'y reprenne à deux fois pour faire tomber le puissant ailier ou troisième ligne de Montpellier. Guido Petit qui se saisit du ballon. Tatafou qui retrouve à hauteur un coéquipier. Oh là, joue neuf, derrière, blanc, derrière. Niel Lesbourg pour Ben Lam. Anthony Boutier qui remonte ce ballon. Bien pris par la Terrade. Et à nouveau, qui perd le ballon. Ballon de récupération pour Tanivili. Contré le centre bordelais. Nouvelle en avant de Kobus Reinhardt. Yacouba Camara se couche sur ce ballon. On va revoir cette perte de balle d'Erdosio arrachée par Yann Lesgourg. Et là, c'est Kobus Reinhardt, mis sous pression par Gazzotti qui échappe ce ballon. Difficile hein, d'en vouloir aux joueurs quand on voit la pluie qui tombe de manière incessante sur le GGL Stadium. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour Romain Burros sur son aile. Et Tevita Tatafou derrière sa mêlée. Il ne parvient pas à prendre la ligne d'avantage. Yann Lesbourg qui inverse et qui repart sur le petit côté. C'est finalement Antoine Miquel qui hérite de ce ballon. Les pénalités sifflées contre Hugo Boniface. Pas sur ses appuis là au soutien. Bon, voilà la faute du pilier gauche bordelais. Louis Carbonel qui ramène son équipe dans les 30 mètres bordelais. Là, sortez blanc encore. Là, sur vous. Montpellier qui reste sur 4 victoires de suite à domicile et qui pour le moment n'arrive pas à débloquer le verrou bordelais. Peut-être là sur cette touche et ce ballon porté. 4. Dans les bras de Japaridze. Avantage en cours pour Montpellier. Kobus Reinhardt qui utilise le jeu au pied dans le dos de la défense. Bien couvert par Romain Burros. Capitaine. Romain Burros, capitaine bordelais appelé par Monsieur Kerr. Depuis 30 minutes, je suis à 6 pénalités contre vous. À chaque fois sur moi, okay, j'ai des joueurs qui viennent se délier. Ici, le 4, vous changez la liaison, vous venez sur le côté. J'ai le 7 aussi côté jeu de touche. Il faut trouver des solutions sur moi. Ça fait 2 sur les 6. Il faut trouver de la discipline, s'il vous plaît. Merci. Bien entendu, c'est la défense de l'UBB sur les molles qui est réprimandée par Monsieur Kerr. À l'image là
Guido Petit. Ici 4 qui change la liaison et 7 côté jeu de touche. Le choix, capitaine. Poto. Poto. On se décide enfin à prendre les points pour Louis Carbonel, qui a l'occasion là, après une demi-heure de jeu, d'ouvrir le score. Non, non. Sous les yeux sceptiques de Bernard Laporte. Deux minutes d'ouverture de Montpellier qui tourne à 80% de réussite cette saison dans l'exercice du tir au but. Et cette pénalité qui fuit le cadre pour Louis Carbonel. On en reste là après une demi-heure de jeu, toujours 0-0 au GGL Stadium entre Montpellier et Bordeaux. Patrice Collazo qui voit le temps défiler, les occasions ont manqué de son équipe. La faute aussi, il faut le dire, une bonne défense de l'UBB, bien en place. Ce renvoi trouve la touche directement de Matteo Garcia. Ce sera une mêlée demandée par Lenny Mouchi, le capitaine de Montpellier, capitaine des champions du monde moins de 20 français, les derniers en date. Allez, c'est renvoi 22 direct. En touche, mêlée bleue. Une bonne plateforme de lancement pour Montpellier dans l'axe au niveau des 22 mètres de l'UBB. Voilà, avec Louis Carbonel qui s'est placé dans l'axe de sa mêlée avec Anthony Boutier juste derrière lui. L'embarras du choix pour Cobus Reinhardt. Je le vois d'ici, merci. Hein, l'avantage là, alors que Hugo Boniface est sanctionné. Ah, il y a un avant. Elle est là. Il y a un avant bleu, il n'y a pas d'avantage. Hein, un blanc. Une nouvelle occasion pour Louis Carbonel. Poto. D'ouvrir le score. Ah, c'est le un blanc qui tire. Compréhension pour Hugo Boniface qui est sanctionné par Monsieur Kerr sur cette mêlée. Ah, ça me va, je vous l'aurais dit sinon. Incompréhension aussi hein, pour Jean-Baptiste Poux. Préposé à la mêlée dans ce staff de l'UBB, l'ancien international français. Cette fois, ça passe pour Louis Carbonel qui ouvre le score enfin ici au GGL Stadium. 3-0 pour Montpellier. Récompensé de ses efforts. Ça poussait depuis un petit moment. Cette fois, c'est bon. Donc, c'est Montpellier qui mène au score. Et ce dégagement bien capté par Lenny Mouchi se renvoie. Cobus Reinhardt qui va pouvoir organiser la sortie de camp de son équipe. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Vous la rentrez. Maintenant qui est rentré. On ne peut pas trouver la touche du côté de Montpellier. Mais les bras de Nance Ducoing qui parvient a échappé à un plaquage, mais pas à Marco Tolègne. Et Matteo Garcia sur les extérieurs avec Romain Buros qui rafute, qui repasse par le sol. Et le bon contest de Ben Lam qui récupère ce ballon. Et on est à nouveau sanctionné du côté de l'UBB. Beaucoup trop de fautes dans cette fin de première mi-temps pour Bordeaux. La huitième déjà dans cette première mi-temps. Alors qu'on revoit là le bon contest
de Ben Lam. Et revoilà Montpellier dans la moitié de terrain, dans les 22 mètres même de l'UBB. Ce ballon capté en fond d'alignement par Yacouba Camara. Et la solution, encore une fois, du groupé pénétrant choisi par Montpellier. Et cette fois, ça progresse bien. Ninouchi qui retrouve Van Resburg. Passe par le sol, Ninouchi qui repart dans l'axe. Qui progresse, Ninouchi encore. Pour Kobus Reinhardt. Qui ne réussit pas à aplatir. Ça chauffe, ça chauffe. Autour de la ligne, dans but de l'UBB, avantage en cours. Pour Montpellier. Et on repart là avec Japaridze. Et Leninouchi qui essaye encore une fois dans l'axe. Et Kobus Reinhardt. Kobus Reinhardt qui fait les bordures et qui aplatit. Premier essai de cette rencontre. Il est l'œuvre de Kobus Reinhardt, le double champion du monde sud-africain. Qui inscrit le premier essai de ce match. Essai avantage, 14 qui relâche pas, essai avantage. Et Montpellier qui fait le break dans cette première mi-temps. On va revoir l'effort des avants montpelliérains. Et Paul Willem s'est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Et Kobus Reinhardt qui lève la tête, qui feinte la passe et qui parvient à se faufiler entre Tatafu et Hugo Boniface pour aplatir le premier essai de cette rencontre. C'est transformé par Louis Carbonel. 10-0 pour Montpellier après 37 minutes de jeu. Des Montpellierains dominateurs qui parviennent enfin à déverrouiller le verrou bordelais. 4-4. Vous êtes capitaine. Vous êtes capitaine. Alors que Romain Burros a été sanctionné d'un carton jaune sur cette action. Le capitaine bordelais. Et le renvoi bien capté par Leninouchi. Le ballon ne sera pas gratté par Marco Gazzotti. Nouvelle pénalité, la 10e contre l'UBB. Beaucoup trop indiscipliné dans cette rencontre. Ensuite, on agit sur le ballon. Les Bordelais qui vont finir cette première mi-temps à 14 contre 15. Sur vous, 3. Petite touche trouvée par Louis Carbonel. On reste dans le camp de Montpellier. Montpellier qui prive totalement Bordeaux de ballon depuis une bonne vingtaine de minutes maintenant. Ballon capté par Paul Willem, c'est Leninouchi qui peut écarter. Passe un petit peu approximative pour Arthur Vincent qui repique à l'intérieur. Qui recherche du soutien. Ah, c'est vous qui le tirez. Jouez la 9. On va repartir avec du jeu au pied. Kobus Reinhardt. Trouvera les bras de Nance du coin. Propre sous les ballons pour le moment. Qui peut ajuster son coup de pied et trouver une touche.
dans le camp montpelliérain. Il reste que petite trentaine de secondes, 20 secondes même, dans cette première mi-temps. Et vous entendez la sirène qui vient de retentir dans le GGL Stadium sur ce lancer de Penga Amosa. Et premier ballon perdu en touche par les Montpelliérains. Van Rensburg qui n'a pas réussi à se saisir du ballon. Jouez la 9. Yann Lesgourg qui repart avec ses avants. Romain Laterade. Et Matteo Garcia qui allonge pour Tanivili. Tanivili qui parvient à gagner quelques mètres. Le ballon qui sort rapidement pour Yann Lesgourg. Guido Petit qui retrouve à l'intérieur Marco Gazzotti. Lesgourg pour Tatafu qui vient défier le puissant troisième ligne centre bordelais. On progresse un petit peu du côté de Bordeaux avec Matteo Garcia maintenant pour Tanivili qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. Et avantage pour en avant, nouvelle en avant d'Anthony Boutier. On en restera là dans cette première mi-temps. C'est Montpellier qui mène à domicile contre l'UBB 10-0. Un essai de Kobus Reinhardt, une pénalité et une transformation de Louis Carbonel. Alors que Louis Carbonel s'apprête à donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, Montpellier mène 10-0 ici au GGL Stadium. Et ce coup d'envoi bien capté par Maël Moustin, l'ailier bordelais, tout de suite pris au sol par Paul Villemcé. Jouez la 9. Non, reculez, reculez. Et Yann Lesgourg qui va pouvoir dégager son camp, trouver les bras d'Anthony Boutier. Anthony Boutier, le premier ballon de Sam Simmons, l'international anglais. Et tout de suite, on se met en action du côté de Montpellier avec Ben Lam qui parvient à transmettre ce ballon à Serfontaine. Et Louis Carbonel qui ne parvient pas à contrôler le ballon. Et première action chaude pour Bordeaux, obligé de défendre sur sa ligne. Ballon aplati sur la ligne. Et ce sera une mêlée à 5 mètres pour les Montpellierains qui commencent cette seconde mi-temps sur les chapeaux de roue. On va revoir là Hugo Boniface en voulant protéger le ballon qui aplatit sur la ligne d'en but. Bien vu de la part de Monsieur Kerr. Et ce sera une mêlée pour Montpellier. Introduction Kobus Reinhardt. Et les Bordelais tout de suite sous pression. Allez, gaucher. Tous les yeux de Didier Bess, consultant mêlé du staff de Montpellier. L'introduction à suivre pour Kobus Reinhardt, auteur du premier essai, du seul essai de cette rencontre pour le moment. Ah, juste un peu, juste un peu. Cette mêlée qui va être à refaire. Décalé un peu pour vous là. Allez, bonne liaison longue, et vous le coup d'en haut. Allez, vous la veux longue et vous en haut. Nous avons Montpellier encouragé par Sam Simons. Plié. Cette fois la mêlée qui se tient. L'effort des Bordelais récompensé. La première ligne bordelaise récompensée sur cette mêlée. C'est quoi Benoît? Un bleu, Injing, on tire le droitier vers le bas. L'effort de Tamaifuna,
Et c'est Baptiste Erdosio qui est sanctionné. Avertissement sans frais pour les Bordelais. Ils ne s'attendaient pas à devoir défendre d'entrée de deuxième mi-temps. Allez, la vôtre. C'est bon. On est lancé à suivre pour Romain Laterade. Bien capté dans les airs par Bastien Vergne. Non, non, non. Joue. Parfait, merci. Sortez maintenant. Sortez. Jouez là. Et on s'organise du côté des avant-bordelais. On progresse de quelques mètres. Le ballon dans les mains de Tatafou et de Guido Petit. C'est une pénalité rapidement jouée. Non, il sera visé. Yann Lesgourgues. Japaridze qui est sanctionné. Trois bleus entre latéral. Pour être rentré sur le côté de ce groupe et pénétrant bordelais. Et Matteo Garcia qui va ramener le jeu. Dans la moitié de terrain montpelliérain. Alors qu'on revoit là, la faute de Japaridze, le numéro 3 montpelliérain. La vôtre. On va faire garder le sourire le pilier géorgien. Sourire et visage un peu fermé du côté de Yannick Bru. On peut le comprendre. Et ce ballon volé par l'alignement montpelliérain. Et Simons qui retrouve Serfontaine, Arthur Vincent pour Anthony Boutier sur l'aile de Dakouaka qui parvient à bien libérer son ballon. On balaye le terrain du côté de Montpellier. On progresse sur la ligne d'avantage et on est récompensé. Vous relâchez pas clairement, oui. Tatafou qui est sanctionné. On est plaqueur, on relâche pas clairement. Vous avez entendu Monsieur Kier, Tatafou, plaqueur qui n'a pas relâché avant d'aller contester ce ballon. On choisit l'option de la touche du côté de Montpellier. Là, vous m'avez dit en touche. On y va, 10. On veut insister là où ça fait mal sur les groupes et pénétrants. Ouais, le carton blanc. Alors que Romain Muros fait son retour sur le terrain. Le capitaine bordelais, les deux équipes à 15 contre 15. Désormais. Et Montpellier qui continue de confisquer le ballon comme en première mi-temps. Vous rentrez avant. Relayeur, vous rentrez avant. On est relayeur, sanctionné. On rentre avant le relayeur montpelliérain. On va revoir là, c'est Paul Willemse qui faisait office de relayeur et qui rentre avant le lancer. Et Matteo Garcia qui peut dégager son camp et qui trouve une petite touche. Au niveau des 30 mètres bordelais. Et ses coéquipiers qui s'organisent pour se lancer. Mpenga Amosa bien capté par Van Resburg au milieu de l'alignement. Et à nouveau un groupe pénétrant qui s'organise. Kobus Reinhardt à la manœuvre. Kobus Reinhardt qui fait les bordures, on ne trouve pas de soutien. Le ballon qui est gagné par les Bordelais. Ben Tamaifuna, spécialiste de l'exercice. Ballon rentré, les gars. Et Matteo Garcia qui peut allonger le coup de pied. Pour Louis Caronel qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Dans un deuxième temps, le demi d'ouverture montpelliérain qui va pouvoir, à son tour, renvoyer le ballon dans les bras de Matteo Garcia. Arrêt de volée du demi d'ouverture bordelais.
Et Anthony Bouquier qui a tout le temps d'ajuster son dégagement. Et qui trouve une touche légèrement avant la ligne médiane. Voilà, une occasion pour Bordeaux de lancer une offensive dans le camp montpelliérain. Montpelliérain. Tu bloques Thomas juste, s'il te plaît. Alors que là, c'est Christopher Toulfoy qui remplace Penga Amosa. Enzo Forletta qui fait aussi sa rentrée. Tout comme Macharachvili. Première ligne. Montpellierien qui est remplacé. Il est Ninouchi qui sort aussi, le capitaine montpelliérain. Reprise. Fait rentrer du sang frais du côté de Montpellier. Et cette touche volée par l'alignement de Montpellier. Le ballon capté tant bien que mal par Christopher Toloufoua. Et le contre-ruck récompensé de l'UBB pour ce talonnage à la main de Yacouba Camara. 11. Contre-ruck des blancs. 11 bleus, un talon à la main. C'est Dakouaka, pardon, qui est sanctionné par Monsieur Kerr. Et Matteo Garcia qui va ajuster cette pénal touche. Ah, le vent qui perturbe beaucoup les joueurs. Allez, sur vous. Et l'UBB qui retrouve enfin les 22 mètres de Montpellier. Et le ballon capté par Adam Coleman. Allez, 2 mètres 04 d'Adam Coleman pour se saisir du ballon. Premier arrêt signifié par Monsieur Kerr et le groupe est pénétrant qui se met en marche avec le ballon dans les bras de Tatafu. Yann Lesgourg obligé d'éjecter pour Ben Tamaifuna qui renverse Yacouba Camara. Extra roll. Et qui est coupable d'une faute. Vous êtes au sol, il y a un contest en place. 23. Sans de Tamaifuna, on va le revoir. Il y a un contest qui fait exploser Camara mais qui roule au sol et qui empêche le contest montpelliérain. Occasion manquée pour Bordeaux. Et Louis Carbonel qui va pouvoir dégager son camp. Il trouve une touche sur les 40 mètres alors que Marco Gazzotti se fait soigner le cuir chevelu. Pardon, j'avais pas vu. Excusez-moi, j'avais pas. Allez-y. Et pour le moment, Bordeaux, meilleure attaque de ce top 14 à l'extérieur qui reste muet. Ah, okay. Qui ne parvient pas à mettre la main sur le ballon déjà dans un premier temps. Qui ne parvient pas à renverser la tendance dans ce match. Vous êtes remplacé sur saignement. Ouais, il le sort sur saignement. Le jeune de Léninouchi qui contrecarre les plans bordelais alors que Antoine Miquel a fait son retour pour remplacer sur saignement Marco Gazzotti, le jeune troisième miel de l'UBB, arrivé de Grenoble à l'intersaison, qui donne entière satisfaction pour le moment au staff de l'UBB. Reprise. Un jeu qui va pouvoir reprendre avec ce lancer de Christopher Toloufoua. Qui ne trouve personne, qui trouve Romain Latérade en fond d'alignement. Talonneur bordelais qui a bien suivi. Et on va pouvoir repartir avec Tamaifuna, encore le puissant pilier tongien. Matteo Garcia pour Tanivili. Un point de fixation. Maël Moustin qui vient de son aile opposée se proposer. Adam Coleman qui passe par le sol. Le ballon qui sort vite pour Garcia. Garcia qui retrouve Boniface. Et c'est Tatafu qui parvient à transmettre à Tanivili. Et le contre-ruck de Montpellier. Réussi par Dakouaka qui relève ce ballon.
Et Louis Carbonel qui va pouvoir dégager le camp de Montpellier. Voilà. Et là, c'est Nance Ducoing qui va retrouver Romain Buros, son capitaine. Bien refoulé par la défense de Montpellier. Obligé de repartir de son camp pour l'UBB. Avec Antoine Miquel qui tombe sur un os. Tyler Duguid. Le Canadien. Allez, rentrez, ballon rentré. On attend. 5, top, top. Louis Carbonel. Sous le ballon haut de Matteo Garcia. Petit coup de pied par-dessus de Boutier qui peut récupérer le ballon, qui parvient à relever ce ballon, mais à ne pas trouver de coéquipier. Lance Ducoing obligé d'aller retrouver du soutien, de faire un point de fixation pour pouvoir sortir proprement de son camp. Et on repart à l'offensive avec Romain Buros qui retrouve Maïl Moustin qui parvient à transmettre pour Ben Taopai qui poursuit au pied le 3/4 centre australien. Occasion pour Daku Waka de remonter le ballon. Tyler Duguid qui retrouve Ben Lam. Bah, longue séquence là entre les deux équipes. Qui essaye malgré les conditions climatiques compliquées d'envoyer un petit peu de jeu. Et Kobus Reinhardt qui va repartir avec du jeu au pied pour occuper la moitié de terrain de l'UBB. Mettre la pression sur Matteo Garcia qui se saisit parfaitement du ballon. Qui retrouve son vis-à-vis, Louis Carbonel qui relance à la main avant d'utiliser son pied droit. Et le ballon qui est cette fois sorti par Matteo Garcia. Partie de ping-pong rugby perdue par les joueurs de l'UBB. Obligé de concéder une touche dans leur moitié de terrain. Compliqué pour Matteo Garcia. Alors que Gazzotti fait son retour. Ah oui, pardon, je... Après saignement. Oui, je croyais qu'il y avait les deux, pardon. Parfait, merci Julien. Toujours un petit peu d'approximation, mais on voit un petit peu plus de jeu dans ce début de deuxième période. Et pour le moment, Christopher Tolofoa qui n'est pas en réussite sur ses lancers. Enga Mossa avait plutôt excellé dans ce domaine en première mi-temps. Deuxième lancé. Une deuxième erreur pour le talonneur. L'arrivée de Toulon en cours de saison. Il fait le chemin inverse. De Garbisi qui est parti à la demi-ouverture, qui est italien, qui est parti du côté de Toulon. Les Italiens qui se sont imposés dans le tournoi cet après-midi à Rome face à l'Écosse. Voilà, parfait. Perfection. Et mêlée à suivre pour Yann Lesgourg et l'UBB. Allez, on repart ici. Alors que Bastien Chalureau a fait son entrée. Retiens, et vous on recule pas, ok? Non mais là c'est les deux, c'est pour ça. À la place de Yacouba Camara, international français pour un autre. Du côté de Montpellier. L'effort de l'Amélie Montpellier-Rennes a récompensé. Gros effort du 8 de devant de Montpellier. C'est Tamaifuna qui cède là sur cette mêlée. Droitier, la liaison. On va revoir là cette mêlée qui s'écroule du côté de Tamaifuna. La Terra des Boniface en pleine discussion, essayer de trouver des solutions. Alors que Louis Carbonel va, lui, de son côté, essayer d'aller trouver une pénale touche le plus près possible de l'embute bordelais. Arrêt du temps. 4. Et Guido Petit qui va faire sa sortie remplacée le 2, aussi, par
Thomas Jolmes. Non, j'ai des changements. Et Romain Laterade. Oh, pardon. Qui lui est remplacé par Clément Ménadier au talonnage. Et l'UBB à nouveau sous pression dans ses 22 mètres. Reprise. Avec un lancer à suivre pour Christopher Tolofoa. Qui n'a pas réglé la mire encore une fois. Troisième lancé manqué du talonneur montpelliérain. C'est récupéré par l'alignement bordelais et Thomas Jolmes. Bordeaux qui va pouvoir se dégager avec le pied de Matteo Garcia. Qui trouve les bras de Dakuaka. Cette touche jouée rapidement par l'ailier fidjien. Qui retrouve son arrière Anthony Boutier qui relance au centre du terrain. Qui parvient à conserver le ballon. Kobus Reinhardt qui joue par-dessus. Le petit coup de pied à suivre. C'est bien suivi par Serfontaine. Mais c'est couvert par Matteo Garcia et Nance du coin. Et Yann Lesgourg qui essaye de partir et qui voit la porte se refermer sur son nez, obligé de dégager. Bien couvert encore une fois par Louis Carbonel. Parfaitement positionné depuis le début de la rencontre. C'est fini Blanc. Et à charge là de Paul Willemc. Kobus Reinhardt pour Macharachvili. Le jeu au pied encore une fois dans le dos de la défense de Kobus Reinhardt. Couvert par Matteo Garcia. Qui oblige Louis Carbonel à se replier. On attend bleu. Et demi d'ouverture Montpellier qui trouve une touche. Montpellier domine mais Montpellier ne parvient pas à concrétiser les rares occasions qui se présentent à eux. Alors que là c'est un lancer à suivre pour Clément Ménadier et l'UBB. On choisit la combinaison avec Boniface qui retrouve Lesgourg puis Buros. Le centre du terrain avec cette fois Bastien Verne. Et le jeu au pied dans le dos d'Anthony Boutier de Matteo Garcia. Ballon rendu par l'UBB et Louis Carbonel sous pression. Qui ne trouve pas la touche mais qui retrouve Matteo Garcia. Donc une ouverture bordelais qui fait les contours, qui retrouve Maël Moustin sur les appuis, qui parvient à éviter la touche. Non, il sera mis en touche par Dakuaka. Et Arthur Vincent qui joue rapidement cette touche. Mais elle est marquée. Vous avez entendu Monsieur Kerr, la touche est marquée. De Montpellier qui est cette fois bien capté. Simons qui attaque l'axe du terrain. Et Kobus Reinhardt qui retrouve Louis Carbonel, la chandelle du demi d'ouverture de Montpellier. Bien capté par Romain Buros. Et les Bordelais qui peuvent repartir à l'attaque. Une nouvelle chandelle de Matteo Garcia. Capté en deux temps par Anthony Boutier. Pour son vis-à-vis, Nance du coin, coup de pied sur de l'arrière bordelais. Paul Willemc. Pour Louis Carbonel. Dans la zone derrière qui n'est pas couverte. Obligé d'accélérer pour Matteo Garcia et de dégager son camp sous pression. Revoilà Montpellier dans la moitié de terrain de l'UBB. Elle sort un peu, c'est bon.
arrêt du temps. 10. Attends, Thomas, attends que j'ai pas relancé. Matteo Garcia qui sort et qui laisse, qui cède sa place à Zach Holmes à l'ouverture. J'ai pas relancé, j'ai des remplacements. C'est bon, Julien? Julien, c'est bon? Neuf. Et 13. Kobus Reinhardt, l'auteur du seul essai de cette rencontre pour le moment. Le double champion du monde sud-africain qui cède sa place à Léo Colli. C'est bon, reprise. Et Arthur Vincent qui sort aussi remplacé par Auguste Cadeau. Quelques approximations là, entre tous ces changements, ces touches qui ne sont pas réussis. Vous avez le choix. En avant ou touche. En avant qui va en touche. Et Louis Carbonel, capitaine de cette équipe montpelliéraine depuis la sortie de Lenny Nouchi, qui choisit la mêlée. Jusqu'à présent, c'était bien. On va voir. Allez, Macha. Allez, Macha. Première introduction pour Léo Colli et ce sera finalement un bras cassé sifflé par Monsieur Kerr. À 10 s'il vous plaît, à 10 s'il vous plaît. Ici droitier, prends la voilà, jouer au pied. Avec une chandelle montée dans le ciel de Montpellier par Louis Carbonel dans les bras de Nance Ducoing qui fait un arrêt de volée. Du coin qui choisit l'axe du terrain couvert par Anthony Boutier qui monte une chandelle à son tour. À la retombée, il y a Bastien Vergne et Tatafu, le puissant troisième ligne centre japonais qui renverse Enzo Forletta. Thomas Jolmes qui ne parvient pas à transmettre à Gazzotti. Ouais, avantage terminé, il joue au pied, il y a touche. Patrice Colazo satisfait pour le moment de la prestation de ses joueurs pendant que Paul Abadi fait son entrée sur le terrain pour remplacer Yann Lesgourg. Arrêt du temps s'il vous plaît. Ok, reprise. Le ballon cette fois capté par Van Rensburg sur ce lancer de Tolofua qui a réglé l'Amiens. Et Léo Colli qui manœuvre ce groupé pénétrant qui va pouvoir sortir le ballon et retrouver le puissant Ben Lam. Alors qu'on repart petit côté avec Tyler Duguil. Ben Lam en relayeur obligé d'être au soutien et le ballon qui ressort difficilement avec Paul Willemse qui parvient à servir Serfontaine. Et à nouveau de l'alternance avec cette chandelle montée par Louis Carbonel. Et à la réception, c'est Hugo Boniface qui parvient à récupérer ce ballon. Et Romain Burros qui dégage le camp de l'UBB et qui trouve un magnifique 50-22. L'ailier de l'UBB. Non. Magnifique coup de pied du capitaine de Bordeaux qui ramène son équipe dans les 5 mètres montpelliérain. Allez, sur vous. L'occasion pour Bordeaux d'ouvrir son compteur.
Avec un lancer à suivre pour Clément Ménadier. Et on a une nouvelle approximation, une nouvelle faute de main de Bastien Vergne. Une occasion manquée pour l'UBB. Alors qu'on s'organise là du côté de Montpellier avec Bastien Chalureau qui passe par le sol. Avantage en avant blanc. Jouez là bleu. Et Léo Colli qui va pouvoir dégager son camp avec son pied gauche. Qui trouve une touche. Un petit peu après ses 22 mètres. 96. Alors que Lignouchi s'apprête à faire son retour sur le terrain. Et cette fois, le ballon capté tant bien que mal par les Bordelais. Isaac Holmes retourné par Sam Simmons. Paul Abadi qui vient de faire son entrée, qui retrouve Tani Vili. Et on repart avec Gazzotti qui retrouve à l'intérieur Tamai Funa. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Kerr. Ouais, j'ai un blessé grave dans la zone de jeu, on va attendre. Ouais, Alors que c'est Paul Willem, c'est là qui reste au sol. Touché. Le second ligne international français. Et qui faisait son retour en tant que titulaire, je vous le disais. Après son carton rouge. Récolté dans le tournoi Destination. Il avait fait un gros match la semaine dernière à Oyonnax pour la victoire de Montpellier 39 à 35 à Charles Maton. Mais là il est sonné le puissant seconde ligne de Montpellier. Et Montpellier qui confirme pour le moment son retour en forme. 17 points pris sur les 5 derniers matchs. Avec une victoire plus que convaincante au Racing. Ouais, merci. Arrêtez de parler tous les gars. Une victoire à Oyonnax, je vous le disais. Et des succès face à Pau et Bayonne. Alors qu'on revoit voilà, le choc. Et Paul Willemse qui s'éteint sur le dos d'Adam Coleman. Ouais, je viens de le voir, merci. Merci Jean-Luc, j'ai vu. Ouais, là où j'ai arrêté. Oh, il sert à se relever, il est solide. Il est solide, Paul Willemse. Applaudi par le public du GGL Stadium qui a fait le déplacement malgré cette pluie incessante. En discussion avec le staff médical de Montpellier. Il se relève Paul Willemse. Qui va logiquement céder sa place. Tiens, Benoît. C'est Lininouchi qui le remplace. Messieurs. Il y a de violence ce choc parce que pour sonner Paul Willemse, il en faut. On va le revoir. C'est un complètement là, sur la hanche d'Adam Coleman. Allez. Première reprise du temps. Et on va repartir avec une mêlée introduction. Paul Abadi et l'UBB. Stuka. Allez Adam, allez Jordi, ça va où? Perfection. Lié. Jeu.
L'avantage en cours pour l'UBB. Paul Abadi qui retrouve avantage, Ben Taupai. Qui tire le droitier. Tatafou. Tatafou encore qui progresse, qui atteint la ligne des 5 mètres. Avantage toujours en cours pour l'UBB. Et Paul Abadi qui va pouvoir sortir ce ballon pour Adam Coleman. Ballon qui sort rapidement avec Tamaifuna qui progresse encore. Le puissant pilier bordelais. Que va dire Monsieur Kerr? Il reviendra à l'avantage. Cette action qui ne donnera rien. Ici. Ouais, exactement. En 3. Gaucher. Oh, bien les gros, bien. 17 heures, on tire le droitier au sol. Poteau. Poteau. Il y a les poteaux demandés par Romain Buros. Alors qu'on revoit là cette bonne action bordelaise avec Tamaifuna qui a bien progressé et qui s'est fait arracher le ballon. Et Zach Holmes qui a l'occasion de ramener l'UBB à 7 points. Cette pénalité, 15 mètres en face des poteaux. Et c'est fait, l'UBB qui ouvre enfin son compteur. 10-3 pour Montpellier au GGL Stadium. Alors que la pluie et le vent redoublent d'intensité. Ce qui n'est pas pour ravir Yannick Bru sur le bord du terrain. Solidaire de ses joueurs, le manager de l'UBB. Il nous renvoie, bien capté par Maël Moustin qui vient défier, qui casse un plaquage, qui progresse. On les sent un petit peu mieux là, les joueurs de Bordeaux depuis quelques minutes. Et ce ballon bien capté par Anthony Boutier qui retrouve Sam Simon qui repique dans l'axe. Ah, c'est fini, merci. Chalureau maintenant. Et Léo Colli qui utilise le jeu au pied dans le dos de la défense bordelaise. C'est couvert par Nonce du Coin qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Finalement, Zach Holmes qui retrouve son capitaine Romain Buros qui ajuste son coup de pied pour ramener le ballon dans le camp de Montpellier. Tout de suite plus facile avec l'appui du vent dans cette deuxième période pour Bordeaux qui maintient la pression sur Montpellier. Vous voyez hein, les poteaux qui tremblent. Et cette pluie qui n'a pas arrêté de tomber durant toute la rencontre, qui s'est même intensifiée. Allez, on y va bleu, on annonce. Il est replacé en vigilance orange hein, cet après-midi par Météo France. Et quand on voit la pluie qui tombe, on comprend hein, pourquoi. Et le ballon capté par l'alignement de Montpellier et Christopher Tolofoy. Il y a un arrêt. Non, restez au sol. Il est au coulis. Qui dégage le camp de Montpellier dans les bras de Romain Buros qui va pouvoir remonter ce ballon. Chandelle de l'ailier bordelais, il sera dessous. Bien capté par Romain Buros qui gagne son duel avec Anthony Boutier mais qui commet un en avant malheureusement dans la foulée. Magnifique duel remporté par l'ailier bordelais. On va revoir là cette chandelle et les bonnes attitudes de l'ailier bordelais. Mais qui malheureusement sur ce plaquage de Ben Lam va commettre un en avant. Enfin, il montre l'exemple, le capitaine bordelais. Allez, je le veux bien haut. Les mêlées à suivre pour Montpellier alors que Douglas vient de faire son entrée. Kane Douglas, le second ligne australien.
à la place d'Adam Coleman. Lié. Et on pousse en travers du côté d'Hugo Boniface, sanctionné une nouvelle fois par Monsieur Kier. Hey, on sort le bassin, on va au sol. Alors qu'il reste 10 minutes au Bordelais pour essayer de ramener quelque chose de ce déplacement à Montpellier. Mais pour le moment, c'est Louis Carbonel et ses hommes qui mènent au score 10-3 après un premier acte maîtrisé. Alors qu'Arthur Vincent fait son retour. Regardez sur le terrain, il remplace Serfontaine au centre de l'attaque montpelliéraine. C'est bon, Julien ? Et Tolofo qui retrouve son capitaine Leninouchi. Bien repoussé là, Christopher Tolofo par la défense de l'UBB, mais on peut s'organiser avec Léo Colli et Tyler Douguide. Jouez là, 21. Et on joue au pied haut dans le ciel de Montpellier, de Léo Colli à la réception. Il y aura Paul Abadi. Non, c'est bon, c'est bon. Et les Bordelais. Les Gazzotti qui organisent le jeu bordelais avec Tamaifuna, bien repoussé par Chaluro et Douguide. C'est bon, César. Là. Paul Abadi qui monte à son tour, un coup de pied dans la boîte. Louis Carbonel sous la pression de Romain Burros. Les Bordelais qui ne sont pas parvenus à gratter ce ballon. Non, pas les mains, le rock est formé. Léo Colli qui prend son temps, qui laisse tourner un petit peu le chronomètre pour dégager son camp. À la réception de ce coup de pied, il y a Nance du coin propre depuis le début de la rencontre, l'arrière bordelais, malgré des conditions compliquées. Et Romain Burros qui s'intercale et qui retrouve face à lui Chaluro et Nicolas Van Resburg. Voilà, contrôle du pied d'Anthony Boutier pour se saisir du ballon, ramener le jeu dans le camp bordelais. Avec en couverture Zach Holmes. En plein sur les 50. Et qui trouve une touche sur la ligne médiane. 6 minutes à tenir pour Patrice Colazo et ses hommes. 6 minutes pour trouver des solutions du côté de Yannick Bru et de l'UBB. Cette rencontre qui n'a pas encore décidé de son vainqueur. Arrête du temps. Yannick Bru en liaison avec son staff en tribune. Alors que le jeune El Masloui va faire sa rentrée à la place d'Hugo Boniface. Deuxième match cette saison pour le jeune français. Et ce ballon capté en fond d'alignement par Leninouchi. Et les Montpelliérains qui progressent. Non. Tolofo qui fait l'effort de conserver ce ballon. On vient écrouler les deux. Avantage en cours. On écroule du côté de Bordeaux ce groupe est pénétrant. Léo Colli qui fait les bordures. Vous le gênez, on revient ici. Un écran montpelliérain pour annihiler cette attaque. Et on reviendra à la pénalité. Ce mol écroulé du côté de l'UBB. Bastien Verne qui est sanctionné. Et Louis Carbonel qui va choisir les poteaux face au vent. Voilà, pour gagner du temps et puis pourquoi pas pour essayer de mettre Bordeaux à portée de plus d'un essai transformé.
pour essayer de sceller le score de cette rencontre. Cadenassé mais disputé au GGL Stadium. Deux sur trois pour le demi d'ouverture de Montpellier aujourd'hui. Une transformation et une pénalité. Et c'est le poteau pour Louis Carbonel avec Zalcoms qui a bien suivi et qui va pouvoir dégager son camp. Allez, là au niveau des cours de dos. Au niveau des cours de dos. Parfait. Bordeaux qui s'en sort. Pour le moment. Mais c'est Montpellier qui réalise la bonne opération cet après-midi à domicile. Et qui confirme son retour en forme surtout. Le ballon l'a contesté par l'alignement bordelais. Finalement, Christopher Toloufoa qui parvient à relever pour Léo Colli. Avantage en avant. Avantage pour l'UBB, pour Montpellier sur cet en avant de l'UBB. Et Christopher Toloufoa qui repart au ras mais qui commet à nouveau en je avant. Peux pas laisser davantage. Je peux pas laisser davantage, vous tombez avec le porteur de balle. On revient ici sur en avant. Allez, ouais. Faut que vous restiez debout, vous tombez avec lui. Après je reste là. On revient ici, il n'y a pas d'avantage en avant blanc. Ah. C'est vous qui vous avez des blessés. Vous avez un blessé derrière. Ouais, je vous attends. Alors que c'est Léo Colli là qui se fait soigner, strapper la cuisse. Dans le demi-mêlée, Montpellier 1. Allez, si. Evelyne Mouchier qui mène pour le moment une fois de plus ses hommes vers une victoire précieuse dans la course au maintien dans ce top 14 plus indécis que jamais à tous les étages. Et introduction Léo Colli. Et la mêlée montpelliéraine sanctionnée, l'effort des Bordelais pour aller chercher une occasion de revenir au score, une occasion d'égaliser ou de ramener au moins 23 bleus, genoux au sol. Un point de bonus de ce déplacement à Montpellier alors qu'il reste que 2 minutes à jouer. C'est Anividi là qui se charge d'aller trouver une pénale touche avec son pied gauche. Occasion manquée par Tanivili, peut-être un poil gourmand. Bien couvert par Anthony Boutier, mais finalement, voilà. On aura cette occasion-là du côté de l'UBB, alors que Léo Colli, obligé de céder sa place. Kobus Reinhardt qui fait son retour sur le terrain. Touché à la cuisse droite, visiblement, le demi-mêlée de Montpellier. Alors qu'on retourne au jeu avec ce lancer à suivre, ce lancer important de Clément Ménadier qui trouve les bras de Van Dresbourg. Nouvelle occasion manquée par le talonneur de l'UBB. Et Montpellier qui va pouvoir coffrer ce ballon jusqu'à la fin du temps réglementaire avec Simons qui, voilà, qui progresse. Alors qu'on rentre dans la dernière minute de cette rencontre maîtrisée par les Montpelliérains. Allez, replacez-vous. Jouez la bleue. Bordeaux qui n'aura pas su trouver la solution, même avec le vent en deuxième période. Kobus Reinhardt qui organise tout ça avec toute son expérience, le double champion du monde sud-africain. Le chrono qui continue de défiler. Enzo Forletta qui repart auprès, qui retrouve du soutien. 20 secondes à jouer dans cette rencontre.
garder le ballon, pas de faute. Ne pas commettre de faute du côté de Montpellier. Et on va pouvoir signer une cinquième victoire de suite à domicile. Une quatrième victoire de suite même en top 14. C'est fait, c'est la sirène qui retentit au GGL Stadium. Et Cobus Reinhardt qui va pouvoir sortir ce ballon pour Louis Carbonel. Victoire de Montpellier, 10-3. Montpellier qui peut avoir le sourire. Montpellier qui a dominé cette rencontre malgré des conditions de jeu compliquées. Les Ninouchi et ses hommes qui confirment leur retour dans ce top 14.